Lecture de l'avenir en commun, chapitre 8, partage des richesses. Point 1. Mettre fin au pillage économique de la nation. Infrastructures, services publics, fleurons industriels ou technologiques, industries de souveraineté. Combien de privatisations à vil prix, de partenariats abusifs, d'ouvriers au savoir-faire inestimable jetés dans la précarité. Ces biens publics nous appartiennent à tous. Pour l'intérêt général, ils doivent être protégés par la loi. Mesure clé, revenir sur les privatisations, aéroports, autoroutes, Française des Jeux, etc. Autre mesure, rendre effectif le droit de réquisition des usines et entreprises d'intérêt général par l'État. Décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés, PPP, auditer ceux en cours et abroger les dispositions législatives les permettant. Créer une mission spéciale dressant le bilan des faveurs fiscales, des privatisations et des abandons de fleurons comme Alstom, Alcatel, EADS depuis 3 décennies. Permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects. Poursuivre les atteintes au patrimoine industriel français faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation comme le prévoit le Code pénal. Interdire les licenciements boursiers et économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou bénéficient des aides de l'État. Point 2. Mettre au pas la finance. La finance a mis à terre l'économie réelle en 2008. Sauvées par les États et donc les contribuables, les banques n'ont pas changé leurs mauvaises habitudes. Pire, la crise du Covid-19 a servi de prétexte pour assouplir le peu de régulation européenne qui existait. Mesure clé, instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Autre mesure, séparer les banques d'affaires et de détail, contrôler les mouvements de capitaux. Identifier et interdire les produits dérivés de la finance toxique et inutile, limiter les effets de levier et les rendements actionnariaux exorbitants, limiter les LBO, rachat d'une entreprise par une société qui recourt à l'emprunt, aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. Point 3. Pour des banques au service de l'intérêt général. Le crédit est essentiel à l'économie, il est à la base de l'activité future. Les banques doivent donc avoir une mission d'intérêt général. Il est crucial d'orienter l'argent en direction des projets socialement et écologiquement utiles. La monnaie doit aussi être un bien commun créé et géré démocratiquement. Mesure clé, créer un pôle public bancaire. Autre mesure, socialiser des banques généralistes en vue de financer les très petites entreprises, TPE, sur des critères sociaux et écologiques et d'alimenter le budget public. Accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Réaliser un audit du coût économique, social et écologique des banques sur la société. Dépolluer les flux financiers, aujourd'hui largement tournés vers les investissements en direction des fossiles. Créer une caisse de péréquation inter-entreprises financée grâce à un barème progressif, pour mutualiser la contribution sociale aux petites et grandes entreprises. Point 4. Définanciariser l'économie réelle. Les actionnaires exigent des taux de rendement intenables obtenus au détriment des droits sociaux et des conditions, notamment environnementales, de production. Ils imposent la tyrannie du temps court sur le temps long de l'activité humaine et de l'impératif écologique. Il faut protéger l'économie réelle des agissements de ces spéculateurs en reprenant le pouvoir sur la finance. Mesure clé, établir de nouveaux indicateurs de progrès humain pour mettre l'économie au service des objectifs et des critères de bien vivre, santé, éducation, etc. Autre mesure, moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices pour encourager l'investissement en France et pénaliser le versement de dividendes. Interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices. Mettre fin à la cotisation continue des entreprises en bourse et moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise. Point 5. Refuser le chantage, annuler la dette publique. La dette publique est instrumentalisée pour justifier l'austérité et les privatisations. Mais l'État détient plus de patrimoine que de dettes. Chaque enfant naît avec plus de 10 000 euros d'actifs publics.
L'argent pour vivre mieux existe et l'action de la Banque Centrale Européenne, BCE, pourrait nous libérer de ce chantage des libéraux. Il faut aussi traiter la question des dettes privées qui est le véritable danger à court terme. Mesure clé, exiger de l'Union européenne que la Banque Centrale Européenne transforme la part de dette des États qu'elle possède en dette perpétuelle à taux nul. Autre mesure, faire racheter par la BCE la dette publique qui circule sur les marchés financiers. Réinstaurer un circuit du trésor pour sortir la dette publique de la main des marchés financiers. Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime et préparer un réaménagement négocié de la dette publique. Retirer la dette Covid des comptes de la sécurité sociale. Mettre en place une caisse de défaisance pour reprendre les dettes privées asphyxiantes des TPE-PME contractées pendant la pandémie et les dettes agricoles déconverties au 100% bio. Point 6. Faire la révolution fiscale. Le président des riches n'a fait qu'aggraver les injustices de notre système fiscal et créer de nouveaux privilèges fiscaux pour les riches. Le mouvement des Gilets jaunes est une alerte. Notre fiscalité doit être entièrement refondée sur des bases claires et justes en appliquant le principe de progressivité. Plus on gagne d'argent, plus on contribue au bien public. Mesure clé, rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Autre mesure, refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt entre PME et grands groupes. Instaurer un barème progressif en fonction des bénéfices réalisés et selon leur usage, et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, incluant un volet climatique visant à taxer les gros pollueurs. Supprimer la flat tax et imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Rendre la CSG progressive avec 14 tranches. Augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines en comptabilisant l'ensemble des dons et héritages reçus tout au long de la vie et créer un héritage maximal de 12 millions d'euros, soit 100 fois le patrimoine net médian. Réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe pour la financer. Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer les niches injustes, inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement. Pour les niches restantes, transformer les réductions d'impôts en crédits d'impôts afin que chacun puisse bénéficier de ses incitations financières à égalité, quels que soient ses revenus. Instaurer un impôt universel sur les entreprises, basant leur taxation sur l'activité effectivement réalisée en France, et sur les revenus des particuliers pour lutter contre l'évasion fiscale. Rétablir l'exit tax supprimée par Emmanuel Macron. Taxer les entreprises ayant profité de la crise sanitaire pour financer les investissements nécessaires à la reprise et à la bifurcation écologique. Refonder la taxe financière pour la rendre progressive et que chacun paie à la hauteur de son patrimoine total réel. Mettre fin au quotient conjugal, système patriarcal favorisant les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, remplacer l'injuste quotient familial fiscal actuel par un crédit d'impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles. Faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale une priorité. Tous les moyens humains et financiers nécessaires doivent être débloqués et la France prendra des décisions unilatérales en cas de blocage des négociations européennes ou internationales. Mettre fin à la convention judiciaire d'intérêt public qui permet aux entreprises de négocier leurs sanctions financières en cas de fraude fiscale. Augmenter les poursuites judiciaires et durcir les sanctions à l'encontre des criminels en col blanc reconnus coupables de fraude fiscale. À savoir, 68% des Français sont pour que l'impôt sur le revenu augmente pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros net par mois et baissent pour les autres. Source Harris Interactive, juillet 2021. 86% des Français sont pour faire payer plus d'impôts à Google, Amazon, Facebook et Apple qu'ils n'en payent aujourd'hui.
Source Harris Interactive, juillet 2021. 79% des Français se déclarent favorables à une taxe exceptionnelle sur les surprofits, c'est-à-dire les profits exceptionnels par rapport aux années précédentes que les grandes entreprises ont réalisés pendant la crise sanitaire. Source Harris Interactive, mai 2021. 78% des Français sont pour le rétablissement de l'ISF. Source IFOP pour l'humanité, mai 2021. Faire la société de l'entraide. Généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. Face à la prédation de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est possible. Elle existe déjà, avec des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Nous proposons des mesures pour qu'elles deviennent l'alternative à l'économie libérale. Il s'agit de remplacer l'autoritarisme individuel par la délibération collective, le travail imposé par le travail émancipateur, la production aveugle par la production utile. Puisque le capitalisme ne supporte pas la démocratie, remplaçons-le. Mesure clé, généraliser l'économie sociale et solidaire, ESS. Autre mesure, garantir l'accès de l'ESS au financement et au marché public. Favoriser le développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, SCIC, et les sociétés coopératives et participatives, SCOP, de façon à développer des services communs dont la responsabilité est partagée entre citoyens et usagers, salariés, partenaires publics et privés. Redonner du pouvoir et des moyens aux associations citoyennes et aux acteurs de l'éducation populaire. Développer les coopératives d'activité et d'emploi, CAE, afin de lutter contre le statut d'auto-entrepreneur et de développer des formes de travail en commun. Point 8. Éradiquer la pauvreté. 10 millions de pauvres, 300 000 personnes sans domicile, des files d'attente aux distributions alimentaires à perte de vue et une explosion du nombre d'allocataires du revenu de solidarité active, RSA. Cela ne peut plus durer. Notre société sera celle du plein emploi, où chacun perçoit un salaire pour son travail. Mais dès les premiers jours, un plan d'urgence sera mis en œuvre pour éradiquer la grande pauvreté. Mesure clé, créer une garantie d'autonomie qui permettra que nul ne soit privé de sa dignité pour vivre. Le revenu mensuel de chaque personne atteindra le seuil de pauvreté, 1063 euros pour une personne seule. Autre mesure, atteindre l'objectif de zéro sans-abri, doublement des places d'accueil, estimées aujourd'hui à 100 000, et simplification des dispositifs. Encadrer le prix des produits alimentaires de première nécessité. Restructurer les emprunts des ménages surendettés et garantir à tous l'accès effectif aux services bancaires de base. Plafonner les frais bancaires. Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches. Assurer la gratuité des protections périodiques. À savoir, 86% des Français sont favorables au plafonnement des frais bancaires. Source Harris Interactive, juin 2020. Point 9. Construire l'autonomie des jeunes. Les jeunes sont les premières victimes de la crise sanitaire. Les immenses files d'attente pour obtenir de l'aide alimentaire n'ont pas eu raison d'un gouvernement qui leur a refusé le revenu de solidarité active alors qu'ils avaient faim. La solidarité familiale a remplacé les aides publiques, largement insuffisantes, et les inégalités en fonction du milieu d'origine ont été exacerbées, que ce soit dans l'accès à l'emploi ou la poursuite d'études. Il est temps de rattraper notre retard et de garantir aux jeunes les conditions de leur autonomie. Mesure clé, financer l'autonomie des jeunes détachés du foyer fiscal parental grâce à la garantie d'autonomie qui les portera au-dessus du seuil de pauvreté, 1063 euros, pour une personne seule. Autre mesure, instaurer un emploi spécifique jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public pour éliminer le chômage des jeunes, trois fois supérieur à celui de leurs aînés à diplôme égal. Mettre fin à la précarité des étudiants, notamment en augmentant les indemnités de stage et en négociant avec les branches patronales les postes ouverts à stage pour en finir avec la pratique des CDD déguisés.
Offrir un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, lecture et calcul avec mise à niveau si nécessaire, ainsi qu'une formation gratuite à la conduite et le passage du permis de conduire à chaque jeune dans le cadre du service citoyen obligatoire. Point 10. Garantir le droit au logement. Comment notre pays se trouve-t-il avec près d'1 million de personnes privées de logement personnel, 4 millions mal logés, 12 millions menacés d'un problème lié à leur logement? Le libre marché ne permet pas de répondre à la demande du peuple. Le droit au logement est bafoué. À nous d'agir concrètement pour le rendre effectif, notamment en construisant des logements accessibles. Mesure clé, interdire les expulsions locatives sans relogement public. Autre mesure, mettre en place une garantie universelle des loyers, créant un filet de sécurité entre les impayés de loyers, pour les locataires comme pour les propriétaires. Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus ambitieuses. RE 2020, bâtiment à énergie positive. Encadrer les loyers partout sur le territoire et à la baisse dans les grandes villes. Rehausser le quota de logements sociaux dans les villes, loi SRU, à 30% et aggraver les sanctions contre les communes hors la loi. Imposer les hautes transactions immobilières par une taxe progressive pour financer la lutte contre le logement indigne. Rendre la rénovation des logements passoires thermiques obligatoire avant toute mise en location. Lutter contre l'habitat indigne et insalubre. Rendre obligatoire un permis de louer dans toute la France, autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics, et lancer un grand plan de rénovation des logements. Rétablir les aides publiques pour les HLM et éviter les hausses de loyers à la relocation en logement social. Réquisitionner les logements vides et les remettre sur le marché dans des conditions qui respectent les critères du logement décent. Lutter contre la spéculation sur le logement en limitant les locations de courte durée, de type Airbnb, aux propriétaires occupants et pendant une période limitée. Lancer un plan d'urgence et de prévention et d'éradication des punaises de lit avec la création de services publics locaux dédiés. Réviser les plans de prévention des risques d'inondation à la hauteur des nouvelles menaces. Écrire un fonds d'aide à la relocalisation des constructions menacées par les inondations et la montée des mers. À savoir, 75% des Français sont favorables à la fixation d'un loyer minimal par mètre carré. Source Harris Interactive, juillet 2021. 87% des Français sont favorables à un plan national d'isolation des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique. Source Harris Interactive, juillet 2021. Fin du chapitre.